On a devant nous votre premier ouvrage, Les ailes d'une pionnière, si l'avenir vous intéresse. Nouveau livre qu'on va sortir très bientôt. On peut s'attendre à quoi comme lecture, Joanne? Bien, en réalité, c'est vraiment le parcours de ma carrière militaire, donc du début jusqu'à mon retour de l'Afghanistan. Ayant fait deux métiers, j'ai été chanceuse. J'ai fait deux carrières dans les forces. J'ai commencé comme technicienne en système aéronautique, donc je faisais de la mécanique sur les hélicoptères. Puis après 10 ans, j'avais atteint un certain plafond, on dirait, dans mes connaissances, mais j'ai décidé d'embarquer dans un nouveau défi. Donc, j'ai appliqué pour devenir ingénieure de vol. J'ai été sélectionnée. Puis c'est ce qui a commencé, ma carrière de vol a débuté là. Et puis en 2007, ça m'a apporté à faire plein de choses. Je suis vraiment privilégiée d'avoir eu l'opportunité de voyager au travers le Québec au complet, puis le Canada même au complet, parce que j'ai traversé le Canada de la côte est à la côte ouest en hélicoptère. J'ai relevé des défis extraordinaires qui m'ont porté à faire deux déploiements en Bosnie, un déploiement en Haïti. Par la suite, j'ai travaillé 4 ans pour faire de la recherche et sauvetage pour les communautés Innus du nord du Canada. Puis j'ai terminé ma carrière avec deux déploiements, en Afghanistan. Puis, à mon retour en 2012, j'ai travaillé 2 ans et demi au recrutement là, pour recruter des nouveaux candidats pour joindre les rangs militaires. De fil en aiguille, ma carrière m'a apporté à devenir la première femme du métier d'ingénieur de vol à avoir participé à un conflit armé. Donc, ça fait en sorte que j'ai eu plein d'opportunités, comme je suis devenue la première femme à avoir la qualification de mitrailleuse de porte. Donc, c'est moi qui tirer de la grosse carabine là, de la porte de l'hélicoptère. Je suis aussi devenue la première femme qui a été qualifiée ingénieure de vol sur le Chinook au Canada. Il y a 3 ans, quand j'ai commencé le processus d'écriture, c'était vraiment pour m'aider, moi, parce que avec le syndrome post-traumatique, je suis diagnostiquée de ça suite à mon service militaire. J'étais dans un rond-point, ma vie avançait plus, j'allais pas bien. Joanne n'allait pas bien. Donc, les gens disent beaucoup, l'écriture, c'est libérateur. Ce que j'ai fait, j'ai commencé à écrire mes mémoires pour m'aider, moi, à progresser. Puis, quand j'ai terminé de les écrire, ça m'a tellement aidée, sérieusement. Je vais mieux que j'ai pas été dans les 30 dernières années. Ça m'a beaucoup fait grandir, ça m'a fait progresser dans ma guérison. Puis, je me suis dit, si je peux aider une seule autre personne en partageant mon vécu, bien, je vais avoir doublement atteint mon objectif. Les gens ont besoin d'être sensibilisés à ça parce qu'on a une nouvelle génération de vétérans maintenant. T'sais, on a dépassé là, les vétérans de la Deuxième Guerre mondiale. Là, on fait face à des vétérans qui sont à la trentaine, qui sont déstabilisés, puis on ne trouve pas notre place dans la société. Puis c'est un processus extrêmement difficile. Pardon. Donc, mon rôle à moi, je pense que c'est en livrant mon message, en partageant mon parcours, bien, je peux montrer aux gens qu'il y a de l'espoir, là. On peut aller mieux, puis on peut s'en sortir de cette noirceur-là. Il suffit juste des fois de tendre la main puis de marcher vers la lumière.